Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour les trésors du jour. C'est le nom que je vais donner à mes vidéos pour les retours de brocante, ce que je trouve, etc. Genre les cartes, les petits figurines, les jetons et plein d'autres choses. Donc, si vous regardez bien dans le fond, vous pouvez voir un victini promotionnel en jumbo, une petite pochette avec un reptincelle dessus. On va donc commencer avec la figurine, avec un Togepi. Qui est assez gros et un peu abîmé malheureusement, mais bon, c'est mieux que rien. Ensuite, des anciens jouets McDo qui étaient les petites toupies. J'ai réussi à en trouver trois différentes. Le rond doudou. Le Togepi, encore. Et un Oot Oot. Qui est un peu abîmé sur le bec et sur le ventre, mais bon. Au moins, je l'ai. Ensuite, je ne savais pas qu'ils existaient pour les en Pokémon, les PES, mais voici un exemple. Avec le fameux Pikachu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais avant il y avait des petites figurines qui étaient mises sous capsule, on va dire. J'ai aussi retrouvé le Pikachu, que j'ai aussi mis sans sa capsule. Milofé. Et le petit dernier que j'ai trouvé, Poissirène. Bon, on voit pas très bien, parce que la capsule est un peu rayée, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, on passe aux figurines à proprement parler. Avec un notariat. Si la macro veut bien se faire. Non, ça n'a pas rien d'où là. Pas grave. Un miaouss. Un vieux Pikachu, Tala, qui fait le petit signe de victoire comme chaque fois que Sacha réussit à battre quelqu'un, ou capture un Pokémon, ou quoi. Un vieux Salamèche, qui est en plus de bon état. Un des plus vieux légendaires qui existent à ce jour. Bon, qui sera toujours sur l'un des plus vieux. Mewtwo. Au départ, il lui manquait un bras, celui-là. Mais bon, il a réussi à le retrouver, donc ça va. Et la dernière petite figurine, qui est sur la carte jumbo, Victini. Tellement mignon ce Pokémon. Il y a la macro plus faire. Bon, tant pis. C'est pas grave. Et maintenant. Ah non, j'ai oublié. Ah bon. Dans cette petite Pokéball se cache un petit ectoplasma. Si j'arrive à l'ouvrir. Ce qui n'est pas mon fort. Voilà. Et on peut heureusement l'enlever de dedans. Tadam! J'ai failli abîmer le Pokéball au passage. Oh oui, ce sera mieux. Bon, avant de passer aux cartes, je vais vous montrer deux petits jetons que j'ai trouvés. Le premier à droite en rouge avec Vipélière, Moustillon et Grouikui. Et le second avec Rayquaza, qui va bien avec la collection du moment, qui est surgissant. Et bah maintenant on peut passer aux cartes.
Je vais commencer avec celle que j'ai trouvée cet après-midi. Je sais, c'est pas logique, mais c'est pas grave. Je commence avec Orchid, Aquali. Bon, je vous montre pas les collections parce que sinon on n'a pas fini. Flamajou, Grumble, Kaorin de Team Magma, un ossature que j'ai adoré l'illustration, Zoark, un holographique et un holographique. Mosaïque, un Doduo, Boustiflore, Chenizel Cap Plante, Herbizarre, Feuilloutant en reverse, Bulbizarre en reverse, un sécateur, Lumivol avec un petit monsieur qui le poursuit derrière. Trioxydre, un Galam, un Kanwex en train de dormir ou qui vient juste de finir de manger qui est bien plein, un petit Carapuce, une énergie prise, une Niveau Ball, Flow tout en reverse, un Cube d'eau, Marque à crin. Une dresseur Léo, 9, 100 coquilles Mer Orient, Axoloto, Tentacool. Ah d'ailleurs, pour Axoloto, c'est Aquapolis pour la collection. Si vous vous demandez si c'est une fausse ou pas. Et ce n'est que la troisième carte que j'ai de cette collection-là. De cette série, collection, peu importe. Tentacool, Clamiral, Scrutella. Mesmerella, j'ai adoré l'illustration de cette carte, avec toutes les petites étoiles qu'on croirait qu'il y a derrière et tout. Et Cidirella, Poissyrène Jungle, juste ici. Une inversion de Pokémon, qui est aussi de Aquap... Ah non, pas de Aquapolis, non, pas celle-là. Nosferapti, Impulsion de Lula, Fampi de Ex-Fantomolo non reverse, Osselet, qui va bien avec le Saturne de tout à l'heure d'ailleurs. Taignon. Corbos. Cornèbre. Machoc, qui est un peu abîmé, ça dit en passant. Et Rhinocorne de Jungle, pour ce tas-là. Kikli. Raichu. Qui arrive à faire vraiment plaisir avec ses ballons. Electrode. Dimoray, qui est l'un des Pokémon que je préfère. Pikachu, avec une petite pensée pour Pikami, une autre youtubeuse. Porygon 2. Pokéco Plus. Professeur Chen en dresseur. Une énergie électrique. Transfert en dresseur. Rafale de vent en dresseur. Recherche informatique, Maconnier, Darumacho, Camerupt, de Galaxie d'ailleurs, Watiflam, Aquali, Pingouin, Mamochon, Mastouf, Florizarre qui est malheureusement pas mal abîmé, un Boscara en train de se rafraîchir, ça doit faire du bien de ce temps-là en même temps. Un Vanfanon Prime, que je crois que j'ai déjà, mais je ne suis pas sûre, à vérifier. Elector en holographique. Goulemastock. Et Mushana et Demolos. Qui a l'air vraiment prétentieux sur cette image. Je passe encore à des vieilles cartes. Je ne sais pas si vous les avez connues celle-là, mais c'est pas grave. Chenipan. Je vais vous montrer le dos de ces cartes-là quand même. Hop. Si vous voulez lire pour Chenipan.
Magnéti, Piafabek, Dodio, Gratata, qui est brillante, Goopix, et Caninos. Et celle-ci me fait penser à notre youtubeur qui est Nejan, qui adore ce Pokémon, mais surtout son évolution. Et la petite carte que j'ai trouvée cet après-midi, le même bikini, mais pas en jumbo cette fois-ci. Qui est une promo de noir et blanc, la numéro 32. C'est vraiment mignon quand même, avec ses grands yeux bleus. Oh, bah la spéculta de ce matin. Et on commence avec un petit Lupio. Pachirisu. Kaiminus, Corraillon, Oyolou. Celle-là, c'est plus une pensée pour mon petit ami qui adore ce Pokémon et surtout le Cario. Persia, Sbire de Team Plasma, Hypocéan, Evolurock, Laser Hypnotoxique, Fossil Plume. Badge de la team Plasma, Fossil Plaque en reverse, Nicodule, Spoink, qui ferait bien se carapater en vitesse avec le volcan en direction derrière, Déclencheur inversé, Pierre allégée, récupère son énergie supérieure en reverse, Forgeron, Corps de sortie, Méga Can, N, Maillet écrasant, Mesmerella, tiens, je l'ai acheté deux fois. Bon, pas grave. Mélofée. Noirfang. Canne artichaut. Machine technique. Mouchana. Lombré, qui profite de la baignade. L'entraînement de Cornil. Anchoate en reverse. Voltorb. Croix-Poral. Baudrive. Scalpion, qui est prêt à vous attaquer. Roselia. Miroir d'argent. Fampi, qui fait de la musculation. Medina. Flotajou. Escalcroix. Et enfin, la dernière petite carte, qui est d'ailleurs au passage ma première japonaise. Ténéfix holographique. Qui est de la collection Tempête de sable. Et j'aime bien les faux graphiques de cette carte. Ténéfix, c'est aussi l'un de mes Pokémon que je préfère. J'aime bien le violet, comme vous aurez pu voir. Et voilà. Peut-être juste montrer la petite pochette de plus près. Pour finir. À la prochaine.